À 24 heures de la clôture de la première édition de Marwa Polytech Innovation Challenge, les élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure polytechnique de Marwa rivalisent de talent et de génie créateur pour remporter la palme d'or de meilleur projet. Alors qu'on s'achemine vers la dernière ligne droite, c'est le projet présenté par l'étudiant Chonan Herman du département de génie textile et cuir qui retient l'attention du public. Ce dernier a réalisé une machine à tisser à moteur électrique. Cette machine tisse des toiles et tissus à base de fils de coton et de fibres de gombo. Elle présente une capacité de tissage de 2 heures du temps, contrairement aux tisserands manuels traditionnels qui disposent d'une durée minimum de 3 mois pour la confection d'une gandoura à fibres de coton. Une cinquantaine de projets du même genre sont présentés devant le jury sur le site de la délégation régionale du tourisme et de loisirs de l'extrême nord. Les 10 meilleurs projets seront primés ce 26 septembre, qui marque la fin de ce rendez-vous du Salon de l'innovation.